Ok, j'ai compris, je vais aller là-bas tout à l'heure. Je vais aller la chercher. Hein? Ma belle-fille. Oui, maman. Dépêche-toi à donner les remèdes que nous sommes quittés sur la traitante avec la, à l'enfant. Il va falloir que cet enfant guérisse. Maman, moi, je voulais même te voir à propos de ça. Moi, je ne vais pas donner les choses comme ça à mon enfant. Okay. J'avais seulement peur de te dire ça là-bas. Moi, je ne vais pas donner la qualité des choses là à mon enfant. Et qu'est-ce que tu comptes faire, ma belle-fille? Il faut que la santé de l'enfant là avant tout. Qu'est-ce que tu comptes faire pour que cet enfant retrouve la santé? Parce que c'est sa santé qui m'intéresse. Maman, je préfère prier. Tu vois, dans notre village là-bas, il y a un très grand prêtre. Donc, je compte même voyager. Il y a une femme dans le village qui m'a fait me trouver un peu d'argent. Je cherche la voiture. Les voitures qui passent souvent là, je prends la voiture, je pars. Je compte faire ce gars-là. Moi, je ne vais pas donner les moyens là. En tout cas, ma belle-fille, après tout, c'est Dieu qui est le maître de tout. Si tu trouves que c'est une chemin, c'est le chemin là que tu vas prendre va guérir ma petite fille. C'est que je suis d'accord avec toi. Dans ce cas, il va falloir que tu ailles voir ta copine, ta femme qui t'a proposé de l'aider là. Parce que présentement, je n'ai rien. Je n'ai rien pour m'abandonner. Il ne me regarde même plus. D'accord, maman. Je compte même partir la voir maintenant là. Je vais pas la chercher. Elle me donne ce qu'elle m'avait promis. Le matin même, j'ai fait un peu de prière. Et là, voici en train de transpirer. Mais comme il y a la température est toujours élevée là, je vais partir. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi mon enfant est seulement malade. Ok, ma fille. Dans ce cas, comme ta petite fille est autour de dormir, tu vas un peu lui mettre le bain. Et tant qu'elle dort, tu cours et tu rentres. Tu sais qu'elle refuse beaucoup. Hello, ma. Mais tu vas prendre la banane. La banane que je suis rentrée du champ avec la. Tu devrais savoir manger avant de partir. Et simplement, on est obligé de se débrouiller comme ça. Maman, je peux mettre le bébé. On dit qu'elle n'est pas bien pour la femme. Hé, tonton Moumou! Tu nous as abandonnés. Qu'est-ce qui t'amène ici là? Oh non, non, maman, tu as vu ton temps, Moumou. Bonjour, maman. Mon fils. Moumou. La fois dernière, tu m'as chassé de chez toi. Toi, tu viens faire quoi chez moi? Je suis chez mon mari. Toi, tu viens faire quoi chez moi? Pourtant, tu m'as chassé de chez toi. Hein? Je t'ai accouché, tu m'as abandonné. Tu as dit que je ne suis pas ta mère au point de me chasser de chez toi. Toi-même, tu viens faire quoi chez moi? Hein, Bobo, qu'est-ce qui t'amène?